Voilà, terminé. Le premier gilet, donc, pour le petit bébé d'Amélie. Donc, on pousse. Alors donc voilà chers amis pour le premier ouvrage donc de ce petit ensemble que nous allons réaliser ensemble. Je vous souhaite bien des choses et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Je vous dis merci encore pour vos messages et merci d'être sur ma chaîne. Je vous souhaite bien des choses et à très bientôt. Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, pour le début donc, de la réalisation de notre ensemble, donc pour poupée, j'ai choisi cette couleur, deux couleurs. J'aurais pu prendre des couleurs un peu plus claires. Et donc j'ai décidé de recycler ou bien de réutiliser ce qui me restait comme pelote. Alors donc aujourd'hui, on va commencer par la réalisation du gilet. Alors, pour cela, j'ai choisi des aiguilles numéro 4. Donc c'est une laine qui se tricote avec des aiguilles numéro 3 ou 4 et j'ai pris donc des aiguilles numéro 4. Pour commencer, on va monter 46 mailles. Ça. Monte 46 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On monte 46 mailles. 45 et 46 mailles. Donc, j'ai monté 46 mailles sur mes aiguilles. Pour commencer, donc, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Je fais un jeté. Je marque ici, je fais deux mailles à l'envers, je fais, je marque, fais un jeté, 8 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Amélie, je fais un jeté. Ah non, tu me donnes ça. Allez, donne.
plaît. 8. Bon, excusez-moi, je marque. Je fais 2 mailles à l'envers. Je vais marquer ici aussi. Je fais un jeté. Je fais 10 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles. Un jeté. Fais 2 mailles tricotées à l'envers. Je marque ici, je fais un jeté. Je fais donc 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, mais je peux pas te donner, je travaille avec. 1, 2, 3, 4, 5. Amélie, tu me laisses tranquille. Laisse-moi travailler. Après, je vais te donner tous les bleus. 5, 6, 7 et 8. Je fais un jeté. Donne-moi un. Et puis, je vais te... C'est bon. Méchante. Un jeté. Je marque. Je fais 2 mailles à l'envers. Fais un jeté et je termine par 6 mailles à l'endroit. Alors, 6 mailles à l'endroit, si je fais une petite erreur, donc je tricote les 2 mailles pour en faire une. Donc, voilà, premier montage. Non, je vais pas te laisser jouer avec. Donc, on termine par une maille en. Voilà la première rangée. Alors, la deuxième rangée, je vais tricoter toutes les mailles à l'endroit. Faire 4, 5 et 6. Le jeté, je vais simplement le croiser pour le tricoter à l'endroit. Et les 2 mailles. Le jeté, croisé pour le tricoter à l'endroit. Voilà, donc on va terminer cette. Non, c'est comme ça qu'on va donc monter l'empiècement de notre gilet. On termine donc par 2 mailles. Le jeté tricoté à l'endroit. Et puis 6 mailles. La deuxième rangée, on va répéter la même chose. Donc on prend au total 2, 3, 4, 5, 6, 7, on fait le jeté, on fait 2 mailles à l'envers, on fait le jeté, on prend les mailles de la manche,
le jeter, deux mailles tricotées à l'envers, le jeter, on prend les mailles du dos, le jeter, deux mailles toujours tricotées à l'envers, le jeter, les mailles de la manche, le jeter et on termine. Deux mailles à tricoter à l'envers, le jeter et puis les mailles du devant. Donc, ici. Bon. Pour la rangerie tour, c'est la même chose. On croise le jeter pour le tricoter à l'endroit et on tricote. Donc toute la rangée tricotée à l'endroit, le jeter, on passe ici pour le croiser, le tricoter à l'endroit, deux mailles à l'endroit, le jeter, croiser pour être tricoté à l'endroit et on répète sur toute la rangée. Donc voilà donc comment on va monter notre empiècement. Là, je suis juste au début, ce qui est déjà ce que ça me fait. Alors, lorsqu'on a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 mailles, je vais monter 4 rangées. Donc, en noir et puis je vais reprendre avec la première couleur. Donc pour la deuxième couleur vous montez 4 rangées toujours en réalisant des augmentations. Donc vous montez 4 rangées toujours en faisant les augmentations. J'ai dit 4 rangées, j'ai dit 4 barres de points de mousse avec le noir et puis on repart avec la première couleur. Donc 1, 2, 3, 4e rangée, 4e barre de points de mousse, on change de couleur avec la couleur donc disons B. Vous allez montrer ces 4 rangées. Après on repart en reprenant que la couleur A. Avec la couleur A on va continuer avec les augmentations. Alors donc voilà, après avoir monté donc 1, 2, 3, 4 barres points en noir avec je vais
simplement couper ici et puis donc je continue avec la couleur B et puis je vais monter. Je monte 3 barres de points de mousse avec la couleur B. Donc ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Toujours en faisant des augmentations. Donc, on monte 3 barres avec la couleur A et on se retrouve tout à l'heure. Alors donc voilà, donc j'ai terminé la formation donc de l'empiècement de notre gilet. Alors pour la suite, alors on va donc le reste, on va tricoter tout en jersey endroit. Donc on sera première rangée à l'endroit, deuxième rangée à l'envers. Alors ici je vais laisser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mailles. Ça. Je prends une maille ici. Donc je vais augmenter cette fois-ci de 1, 2, et 3 mailles. Donc sous chaque manche je vais augmenter de 3 mailles et je vais laisser en attente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 27, 28, 29. Je récupère donc une maille du groupe de 2. Au total, 30 mailles pour la manche. Je vais laisser en attente sur un bout de fil. J'ai augmenté les 3 mailles. Si je viens récupérer donc une maille, j'ai du groupe de 2 et puis prendre toutes les mailles du dos, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Seize, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Je prends une maille donc du groupe de 2, 31 mailles et je fais 1, 2, augmentations. Comme pour la première manche, je vais laisser les mailles de la manche en attente sur un bout de fil. Et je récupère une maille du groupe des deux et
comme ceci. Et donc je récupère les mailles de l'autre demi, l'autre devant plutôt. Oui, attends, je vais te donner. Termine, aura une maille à l'envers. Alors voilà, alors pour le reste on va tricoter. Première rangée aller à l'endroit, deuxième rangée retour, on travaille tout en tricotant toutes les mailles à l'envers. Voilà comment on va travailler. Alors pour cela, donc je vais monter 10 rangées en jersey avec la couleur A, 5 rangées avec le noir, 10 rangées avec la couleur A et 5 avec la couleur B. Donc, voilà comment je vais tricoter les mailles que j'ai rajoutées aussi, tricoter à l'envers. Voilà, monter 10 rangées avec la couleur A, 5 rangées avec le B, 10 rangées avec le A et 5 avec le B. Voilà. Donc je termine la troisième barre de point de mousse. Et avec un crochet, je vais simplement arrêter toutes les mailles. Quand terminant, bon. Couper le fil. Alors, on passe à la réalisation des manches. Donc, les deux manches vont être tricotées de la même manière, comme vous savez. Et ici, donc je vais remettre sur mon aiguille les mailles, la manche que j'avais laissée. Pour la manche, comme j'avais augmenté de 3 mailles ici, attendez, on sépare un peu le tout pour travailler. Alors, pour la réalisation de la manche, si je vais récupérer, je vais 4 mailles. Donc, une augmentation, je fais ça comme ça, 4
et puis je tricote excusez-moi j'ai pris 4 3, donc là j'ai fait 2. Je vais relever une maille à la fin, donc pour avoir les 3 mailles que j'ai augmenté au début de la formation. Donc et je vais augmenter une maille. Bon. Ça, je vais le faire avec un crochet. Puis simplement le remettre sur mon aiguille. Voilà. Et dans là, je peux repartir à l'envers. Alors pour la manche, c'est la même chose. On prend le même nombre de rangées. La couleur A et puis la couleur B. On tricote le même nombre de rangées pour la couleur A, même nombre de rangées pour la couleur B, et même on termine de la même manière. Donc, on reprend cette partie, on le refait pour chaque manche. Alors à la fin, on va arrêter toutes les mailles. Alors pour les mailles de la manche, on fait 1, 2. Si je fais 2 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maman, la femme. Tiens. Merci. Tiens. Attends, oui, merci. Attends, je vais prendre. Merci. Attends, on va jouer après. Donc. On va refaire la même chose sur l'autre. Tu sais tomber, c'est l'eau. Bon, on va te nettoyer. On va aller. Et 3 mailles à la fin. Ici, on vient, on refait donc la même chose. On va replacer les mailles. Et puis, on va relever les 3 mailles donc qu'on a laissées. La sécurité bleue. Et on fait la même chose. Donc, on se retrouve à la fin lorsqu'on aura terminé donc de monter la manche.
suite. Donc, lorsqu'on termine de monter les mailles, les manches, on arrête du travail du côté. Et puis, donc, on va faire la même chose. Donc, on va monter 3 barres de points de mousse, comme j'ai fait ici. Je vais simplement relever les mailles du devant, donc en commençant ici. Alors ici, j'ai fait avec la couleur A. Cette fois-ci, je fais avec la couleur B. On va monter donc 3 barres de points de mousse. Après, on va donc replacer donc les mailles relevées sur notre aiguille et monter 3 barres de points de mousse. On place donc les mailles relevées sur l'aiguille. Et on va monter 3 barres de points de mousse. Donc, première rangée tricotée à l'endroit, deuxième rangée tricotée à l'endroit. Donc on va répéter les deux rangées pour avoir 3 barres de points de mousse. Première barre. Je vais cacher tout ça. Et deuxième barre de points de mousse. Donc, on fait rangée aller à l'endroit, rangée retour à l'endroit. Ce qui va nous donner une barre de points de mousse. On prend la peine de cacher une bonne fois encore tous ces petits morceaux qui traînent. Alors, lorsqu'on a monté 2 barres de points de mousse, cette fois-ci, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles et on réalise donc une boutonnière. Comme c'est des petits boutons, je vais simplement arrêter une maille une fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je fais une boutonnière, deuxième, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et je fais une deuxième, troisième plutôt, et on termine par 2, 3 et 4. Voilà, j'ai réalisé les 3 boutonnières. Alors, repartons. 1, 2, 3, 4, 5, j'augmente donc la maille supprimée, j'espère que c'est ça. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Alors, ça dépend si vous avez des boutons un peu plus gros, donc vous pouvez diminuer de 2 mailles. Tu sors pas, Amélie? Et une boutonnière et on fait une rangée aller-retour pour on termine la rangée en donc retour, on fait une rangée, deuxième rangée, donc rangée retour, on va arrêter avec un crochet, on va simplement arrêter donc toutes les mailles et on va laisser une maille pour réaliser donc le col de notre gilet. Alors, lorsqu'on termine la dernière maille ici, alors ce que je vais faire, je vais relever donc, à partir des une maille, 2, 3, 4, et je relève donc les mailles de l'empiècement et puis je vais monter. Non, sors pas, Amélie. Oui, tu reviens ici. À chaque fois qu'on a relevé, on va replacer. On va relever toutes les mailles du col. On relève toutes les mailles et les mailles donc les trois barres de points de mousse de ce côté et puis on va monter 4 barres de points de mousse. Sur toutes les mailles. Lorsqu'on aura terminé, on va réaliser donc la couture sous la manche et puis poser nos boutons. Alors pour le col, on fait 2 rangées avec la couleur B et 2 rangées avec la couleur A. L'avant-dernière maille, on la tricote pas, on va la glisser. Ici.
première barre, on fait deux barres de point de mousse, la couleur B, et deux barres de point de mousse avec la couleur A. Terminé le col et puis on passe à la couture sous la manche. Donc ici c'est simple, après avoir enfilé donc mon aiguille, je réalise simplement la couture comme je l'ai fait ces derniers temps. Alors donc voilà terminé le premier gilet donc pour le petit bébé de Amélie. Alors donc voilà chers amis pour le premier ouvrage donc de ce petit ensemble que nous allons réaliser ensemble. Je vous souhaite bien des choses et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Je vous dis merci encore pour vos messages et merci d'être sur ma chaîne. Je vous souhaite bien des choses et à très bientôt.